Hey yo! Salut à tous, c'est Yoda et je suis en compagnie de ma petite Lady. Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, on voulait vous faire une petite vidéo d'information parce que vous savez tous qu'on a changé d'heure ce week-end, donc on a tous reculé nos montres et nos réveils d'une heure. Et en fait, ce n'est pas le cas sur Destiny tout simplement parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de changement d'heure été ou hiver. Donc maintenant, il faut savoir que ça a une petite incidence sur Destiny et Lady va vous expliquer pourquoi. Alors, tout simplement. Habituellement, pour ceux qui pratiquent le bug des contrats, vous vous connectez vers 10h50 pour pouvoir faire les contrats en double, et ainsi de suite pour tout ce qui est assaut de la semaine, etc. Là, tout simplement, il va falloir vous connecter une heure plus tôt, donc à partir de 9h50, pour pouvoir accéder au contrat de Xander et avoir la possibilité de les faire deux fois dans la journée. Donc voilà, et c'est aussi une incidence donc sur d'autres événements tels que la nuit noire ou que le raid qui sont habituellement donc reboot tous les mardis matin à 11h, cette fois-ci seront reboot à 10h. Donc si jamais quelques-uns d'entre vous sont matinaux et veulent finir le raid demain matin, et ben sachez qu'il faudra le finir avant 10h. Et ça aussi son incidence sur l'arrivée de Xur, donc Xur qui est habituellement là du vendredi matin au dimanche matin de 11h à 11h, et ben il faut savoir que là il sera présent dès vendredi à 10h et qu'il repartira ce dimanche à 10h. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, on espère que vous saurez vous adapter à ces petits changements d'heure, et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous! Ciao tout le monde!